Heureuse de vous informer, mesdames, messieurs, bienvenue à cette nouvelle session d'information sur Léon Djoléo, de cette édition à la présidence, où le président de la RDC, président en exercice de l'Union africaine, Antoine Tshisekedi, s'est incliné ce vendredi 23 avril 2021 à N'Djamena, capitale tchadienne, pour rendre un dernier hommage au maréchal Idriss Déby, décédé le mardi 20 avril, dans une zone de combat au nord-ouest de son pays. Pour rendre mes derniers hommages à mon regretté homologue et cher frère, le maréchal du Tchad, son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République, décédé ce mardi 20 avril 2021. Je n'aurais jamais imaginé que, lorsque je l'ai vu le vendredi dernier à Brazzaville, en marge de l'investiture du président de la République du Congo, son Excellence Denis Sassou Nguesso, c'était la dernière fois et que son au revoir était en réalité un adieu. Cette disparition tragique suscite autant l'indignation, l'incompréhension que l'émoi. En effet, il est inacceptable que cet acte ignoble ait pu ôter la vie au président Déby, menaçant ainsi la stabilité du Tchad, à laquelle mon pays, la République démocratique du Congo, tient particulièrement, à l'instar de l'Union africaine que j'ai l'honneur de représenter en cette triste circonstance. Congo Airways et Kenya Airways signent un protocole d'accord de collaboration cité en présence de deux chefs d'État. Ce mémorandum d'entente dont l'objectif est de renforcer la coopération entre les deux transporteurs nationaux. Cette cérémonie a eu lieu le jeudi 20 avril 2021. En présence des chefs d'État de la République démocratique du Congo et de la République du Kenya, les directeurs généraux de Congo Airways et Kenya Airways ont signé ce jeudi à Kinshasa un mémorandum d'entente dans l'objectif de renforcer la coopération entre les deux transporteurs nationaux. Désiré Balaziré, directeur général de Congo Airways, et Alan Kilavuka, directeur général de Kenya Airways, ont identifié les domaines d'intérêt mutuel pour plusieurs objectifs. Premièrement, favoriser l'échange de connaissances d'experts, d'innovations et de meilleures pratiques grâce à la coopération technique. Deuxièmement, renforcer le partenariat régional dans la grande région d'Afrique de l'Est grâce à une collaboration commerciale pour augmenter le trafic de passagers et les opportunités de fret. Congo Airways et Kenya Airways ont également convenu de soutenir la viabilité des deux transporteurs grâce à une collaboration financière à la suite de la pandémie de COVID-19. Ce mémorandum d'entente vient s'ajouter à la série d'accords de coopération dans le domaine de la défense et de la sécurité signé mercredi. Au terme d'une visite officielle de 3 jours à Kinshasa, le président Uhuru Kenyatta a repris son avion pour Nairobi, la capitale de son pays. Visiblement marqué par cette visite, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a accompagné son hôte de marque jusqu'au pied de l'avion, comme il l'avait fait le jour de son arrivée. Toujours dans ses registres, Félix-Antoine Tshisekedi a participé à l'ouverture du sommet mondial virtuel sur le climat. Une quarantaine de chefs d'État prennent part à ce forum qui s'y tient à l'initiative du président américain Joe Biden. Dans son discours, le président de la RDC a félicité les USA et son président pour le noble décision de son intégration à l'accord de Paris des climats. Le président honoraire de l'RDC, Joseph Kabila Kabange, est de retour dans la capitale kinoise depuis ce vendredi après 4 mois et demi dans la partie sud-est de l'RDC. C'est depuis le 11 décembre 2020, dans une période de crise et des tensions politiques, que Joseph Kabila avait quitté la capitale pour Lubumbashi, où il s'est tapé un bon repos dans la ferme Kashamata, loin de toute action politique des hommes du régime.
Et enfin, c'est officiel, il n'y aura pas d'investiture du gouvernement Samalou Kondé. C'est vendredi 23 avril à l'Assemblée nationale. En croire certains députés, les programmes du gouvernement déposés par le Premier ministre posent certains problèmes techniques. Finalement, le Premier ministre va revoir son copie et retirer de sa conclusion la signature du président de la RDC. Quittons Kinshasa, rendons-nous à Beni où dans le but de rechercher la paix à l'est de la RDC, les mamans des Beni ont manifesté leur ras-le-bol ce vendredi 23 avril pour dénoncer l'insécurité récurrente puis demander les départs de la MONUSCO au sol congolais. Les élèves de la ville de Beni, section maternelle, primaire, secondaire, ont passé une première nuit en sitting à l'hôtel de ville de Beni afin d'exiger à l'arrivée du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, au Nord Kivu, c'est vendredi. Les élèves et écoliers sont bien installés sur place et insistent devant la porte de mer. La pluie qui s'est abattue sur la ville pendant la nuit du jeudi au vendredi 23 avril n'a pas empêché les élèves à poursuivre l'exercice. C'est par ici que nous bouclons complètement cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Au revoir.